séance de mathématiques, on va commencer par les activités ritualisées. Alors, puisque tu as récupéré ton matériel, je vais te demander de prendre ton ardoise et ton feutre Velleda et un petit chiffon pour effacer au fur et à mesure. On va travailler sur l'ardoise. Si tu n'as pas encore ton matériel, je te laisse mettre pause et prendre tout ça. Ça y est? Alors, on va commencer donc avec les activités ritualisées. D'accord? Et tu vas commencer par écrire les nombres en lettres. Alors, je vais te demander d'écrire le nombre 15 en lettres et le nombre 12 en lettres. Tu mets pause pour faire le travail et tu relances la vidéo pour la correction. Voilà, on corrige, tu as terminé. Alors c'est parti. 15 s'écrit Q-U-I pour faire qu'un. Q-U-I-N pour faire qu'un, pardon. Z-E pour faire 15-E. 12 s'écrit D-O-U pour faire doux. Z-E pour faire 12. Alors, si tu t'es trompé en écrivant 15 ou 12, je t'invite à t'entraîner à les écrire plusieurs fois jusqu'à ce que tu les mémorises. Ok, très bien. Maintenant, nous allons travailler sur ce qu'on appelle la fiche d'identité du nombre. C'est une activité qu'on a déjà faite. Je vais te réexpliquer et on va travailler là-dessus. Alors, par exemple, je vais te donner un nombre. Par exemple, le nombre 34. Tu fermes tes petits yeux et tu imagines 34 dans ta tête. Tu imagines le dessin de 34. Tu imagines les 3 dizaines et les 4 unités. Ouvre les yeux et regarde. Voilà ce que tu dois voir dans ta tête. Tu dois voir 3 dizaines et 4 unités. Et donc, sur ton ardoise, tu écris 3D. Pour les 3 dizaines et 4U pour les 4 unités. D'accord? Ça veut dire, ça c'est le nombre que je te dis, ça c'est ce que tu imagines dans ta tête et ça c'est ce que tu écris sur l'ardoise. Combien de D, combien de dizaines et combien de U, combien d'unités? Tu es prêt? C'est parti! 46. Allez! Ferme les yeux, imagine 46 dans ta tête, imagine bien le dessin de 46. Et quand tu es prêt, écris sur l'ardoise combien de D, combien de dizaines et combien de U, combien d'unités il y a dans 46. C'est bon? Alors, quand je ferme les yeux, je dois voir 4 dizaines, 4 dizaines et 6 unités. Donc, pour les 4 dizaines, je vais écrire 4D et pour les 6 unités, je vais écrire 6U. Est-ce que c'est ce que tu avais écrit sur ton ardoise? Fantastique. On continue. 51. Allez, 51. Ferme tes petits yeux. Imagine 51 dans ta tête. Imagine le dessin de 51. Qu'est-ce qu'on a pour 51? Qu'est-ce que tu vas écrire pour D, pour dizaine? Qu'est-ce que tu vas écrire pour U, pour unité? Je te laisse écrire sur l'ardoise. Et on corrige. Alors, quand je pense à 51, quand j'imagine le nombre 51, je dois voir dans ma tête 5 dizaines et une unité. Donc, pour les dizaines, je vais écrire 5D pour 5 dizaines. Et pour les unités, je vais écrire 1U pour une unité. Ça s'est bien passé? Tu avais trouvé? Alors on continue. Avec le nombre 39. Ferme tes petits yeux. Imagine le nombre 39 dans ta tête. Puis écris sur ton ardoise combien de dizaines et combien d'unités tu as vu. Allez, on corrige. Quand j'imagine 39 dans ma tête, je dois voir 3 dizaines et 9 unités.
Voilà le dessin que je dois avoir dans ma tête quand je vois 39. Donc, je vais écrire qu'il y a 3D, 3 dixièmes, et 9U, 9 unités. Super! On va passer maintenant au calcul mental. Toujours avec l'ardoise, on en profite, on l'a récupérée. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'ardoise en CP. Alors, calcul mental, on va faire des opérations mystères. Qu'est-ce que c'est que des opérations mystères? Eh bien, on en a déjà fait, ce sont ce qu'on appelle les calculs à trous. D'accord? 8 plus quelque chose égale 12. On va chercher le nombre mystère, le nombre qui manque. Alors, on y va. 1 plus quelque chose égale 6. Quel est le nombre mystère? 1 plus quelque chose égale 6. Je te laisse mettre pause et réfléchir et on se retrouve après pour la correction. Ça y est, tu as terminé? Alors on y va. Qu'est-ce que ça veut dire 1 plus quelque chose égale 6? Ça veut dire que ici j'ai 1. D'accord? Et ici j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Le signe égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est ici doit être pareil que ce qui est là. Est-ce que c'est pareil là? Non. Là, il y a 1 et là, il y a 6. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 ici. Et donc, on va chercher qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à 6. J'en veux 6, j'en ai 1. Donc de 1 pour aller à 6, on peut utiliser ses doigts. Vous vous rappelez, on jette le 1, on ne le compte plus, il est déjà là. 1 et on continue à compter. 2, 3, 4, 5, 6. Alors ce que je vais te demander de faire, c'est de lever un doigt à chaque fois que tu vois un point rouge qui apparaît. D'accord? On jette le 1, jette le 1. Vas-y, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Combien de doigts est-ce que tu as levé? 5. Ça veut dire que le nombre mystère, c'est 5. J'ai dû rajouter 5 ronds rouges pour en avoir 6 en tout. 1 plus 5. Donc 1 plus 5 égale 6. D'accord? Efface ton ardoise, on passe au suivant. 7 plus quelque chose égale 10. Quel est le nombre mystère? Je te laisse chercher et écrire sur ton ardoise. Et relance la vidéo pour corriger. Ok, ça y est, tu as terminé? Alors on corrige. Toujours pareil. Ici, je vais en dessiner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, je vais en dessiner 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok? Je veux que ici et ici, ce soit la même chose. Donc ici, j'en ai 7 et ici, j'en ai 10. Ça ne va pas. Donc ici, j'en veux 10. Il en manque. Il va falloir en rajouter. C'est pour ça qu'on a un petit plus. Combien je dois rajouter à 7 pour arriver à 10? Eh bien, on fait comme tout à l'heure. On jette le 7 pour arriver jusqu'à 10. Et tu lèves un doigt à chaque fois qu'il y a un point rouge qui apparaît. Allez, on jette le 7. 7, 8, 9, 10. Combien de ronds rouges est-ce qu'on a rajouté? Combien de doigts est-ce que tu as levé? Super, tu as levé 3 doigts. Ça veut dire que le nombre mystère, c'était 3. 7 plus 3 égale 10. Super, un dernier. Ah, 9 moins quelque chose égale 8. D'accord? Donc là, on va chercher le nombre mystère. Fais bien attention. 9 moins quelque chose égale 8. Je te laisse mettre pause, réfléchir à ça et on corrige juste après. C'est bon? Alors, j'en ai 9, donc je dessine les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en veux
Je veux la même chose que de l'autre côté du égal, c'est-à-dire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faut que ici et ici, ce soit pareil. Ici, j'en ai 9, ici, j'en ai 8. Donc, ce n'est pas pareil. Après le 9, qu'est-ce qu'on a ici? On a un moins. Quand on a un moins, ça veut dire qu'on fait quoi? Ça veut dire qu'on enlève. Ça veut dire combien je dois enlever à 9 pour en avoir 8. Eh bien, combien tu en as enlevé? C'est ça. Il fallait en enlever 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il fallait enlever 1. Donc, 9 moins 1 égale 8. Ok, très bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé, ce calcul mental, si ça a été, si ça a été facile, si ça a été difficile. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur la lecture de l'heure.